C'est vous qui avez raison. Nos plumes voulaient être célèbres. Ça a été signé par notre dédain. Nos efforts collectifs dorment fébriles sur la chaussée. Les paperasses entre deux mains. Avec au ventre la faim, la soif et l'ennui. La peur de ne pas se lâcher les mains. On s'était promis, juré sur toutes les raisons que notre avenir sera pour demain. Sur le théâtre de la vie se joue encore des numéros, c'est vrai que dans le réel. Autant le sourire a pris ses distances de nos lèvres, autant nos SMS se lisent individuels. La foi était le berger de notre slam. Ainsi donc, la meute des paroliers était indivisible. Déclamant toujours avec une voix monocorde, soutenant des vers de verbes imprévisibles. Et on ne l'a jamais voulu, non. Si, en fait, je ne sais plus. Cette réunion était notre seule force. L'amitié nous dispense parfois des cours qui, pour professer sur le sentier, se corsent. N'importe quel mot imbibé d'encre charmait nos yeux et ainsi s'écrivait notre passion. Dans la vallée des pauvres poètes, on a marché, s'angoissé pour s'acquérir des relations. Les moments de galère sont sans bizarrerie les vrais moments des inspirations. Les moments des rencontres sont celles dans lesquelles on trouvait des justes solutions. Au bout de la mobilité, on espérait, désespérait. Ensuite, on rêvait de surprendre la gloire pour oublier nos déceptions, nos misères et remplir une nouvelle page de notre histoire. L'espoir, il battait ses ailes dans notre camp. Mais notre belle harmonie fut brève. Nos fragiles confiances ainsi que nos espérances ont été confiées à la libre et digne parole. Des coulisses à la scène, devant et derrière les micros, on est passé à N casserole. À genoux, on insiste et conjure votre clémence, car Cindy Slam n'a pu résister à la trêve. On a chanté au sifflet du vent sous les intempéries, marché au rythme du temps. Danser au son et au battement des vagues, escalader les monts jusqu'aux nuages 4 ans. Nul d'esprit, on l'avoue, par amour de l'art à la parole, à l'humour de la mort. Le combat nous a armés de bravoure et la force des mots nous a conduits à l'effort. Alors, par cette même parole, on défend nos propos à travers Sa Majesté à Frikanda. On a passé plusieurs chemins avec des potes de près ou de loin avec qui tout était au pas. Afrikanda ouvre son cœur par pièce à chaque être de la terre, vêtu de la voix du KDD. Lié par le destin sobre, dessiné entre les lignes, à l'avenir on ne pariera que sur des dés. L'amitié des mots maudits. On aurait dû dire vous au lieu de toi. Ou toi au lieu de vous les... Le silence a eu raison sur notre personne. Africain d'année, le signe d'islam tient aussi haut le flambeau. Sur le pilier des espoirs fendus, on reste égal à nous. Romantique, jovial, amoureux des mots, le livre d'or saigne dans le dos. Calmement, lentement, doucement et sûrement, ça a été fait.